cours de statistique 3e, étendue d'une série statistique. La première chose à voir est la définition. L'étendue d'une série statistique, c'est extrêmement simple, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite de ces valeurs, donc des valeurs de ma série statistique. Pour le comprendre, on va tout de suite prendre un exemple. Dans un village, on relève les températures en degrés Celsius sur 10 jours chaque matin. Et donc on arrive à 12, 11, 8, 6, 14, etc. On me demande de déterminer l'étendue de la série. La première chose est de calculer ici la valeur maximale de ma série. La température maximale, c'est donc 15 degrés. La température minimale, donc la valeur minimale de la série, c'est 6 degrés. On calcule leur différence, 15 moins 6, 9. Et on peut conclure que l'étendue de cette série est de 9 degrés. L'étendue est un paramètre de dispersion qui permet de mesurer la façon dont les valeurs d'une série sont réparties globalement et se dispersent. Attention toutefois, l'étendue est extrêmement sensible à une seule valeur extrême, qui peut faire que l'étendue peut avoir une très grande valeur. Imaginons que dans mon exemple ici, je rajoute un exemple avec 30 degrés par exemple, cette valeur-ci. On voit bien qu'on a sur les 10 premiers jours des températures relativement homogènes entre 7 et 15 degrés. Si je rajoute une température caricaturale à 30 degrés, l'étendue exploserait. Elle serait de 30 moins 6, 24 degrés. Et on aurait tendance à dire que les températures sur les 11 journées sont extrêmement étendues. Certes, c'est vrai, mais l'étendue peut être polluée par une valeur extrême ou caricaturale. L'idée, pour terminer ce chapitre, et de dire que tous les paramètres que nous avons étudiés ont des avantages et des inconvénients, montrent des choses mais ont chacun des faiblesses, et que pour faire une étude la plus fine possible, eh bien il faut multiplier plusieurs paramètres, plutôt les ajouter plusieurs paramètres, pour pouvoir permettre d'avoir l'appréciation la plus fine sur la série étudiée.